Ma découverte de Philippe Drouilly, elle s'est faite en accompagnant mon père à la bibliothèque. Mon père m'a donné le virus de la bande dessinée et de la littérature, notamment à travers le journal de Tintin, et assez jeune. Donc je l'ai accompagné dans les rayons BD, notamment adultes. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois des couvertures de Drouilly, notamment Salammbô. Et j'étais vraiment ultra impressionné par l'impact du graphisme. À la fois ça m'intriguait, à la fois ça me faisait peur. J'avais l'impression d'être trop jeune et de pas vraiment être armé pour découvrir quelque chose d'aussi singulier. Alors moi j'ai découvert Philippe Drouilly par un copain plus âgé que moi, j'avais 15-16 ans. Il m'avait confié Salammbô et La Nuit et j'avais adoré, j'avais rien compris donc j'avais commencé par lire Flaubert, le Salammbô de Flaubert. Et puis j'avais pris ma plume et j'avais envoyé une lettre à Philippe Drouilly en lui demandant s'il pouvait me recevoir. Il m'avait appelé chez moi, il m'a dit ouais c'est Philippe Drouilly. Des petits cons comme toi, j'en ai toutes les semaines. J'ai un agenda super chargé, on se voit dans 3 mois. J'étais là, ok maître, ok, dans 3 mois. Et donc j'y suis allé, il m'a ouvert la porte, il m'a dit, bon, j'ai qu'une heure, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plein de boulot. Et puis en fait, je suis resté toute l'après-midi, il a été super gentil, il m'a montré plein tout ce qu'il faisait, plein de travaux. Et en fait, il a fait ça avec moi, mais il l'a fait avec plein d'autres jeunes à l'époque. Il a toujours été super accueillant, il a reçu plein de jeunes dessinateurs chez lui. Cette exposition aussi, c'est une exposition de transmission intergénérationnelle et Philippe a toujours été attentif à ça. Donc voilà, ma rencontre avec Drouilly, elle était chaleureuse, forte et ça c'était il y a 30 ans. Philippe a un impact cinématographique très fort dans ses planches. Et pour le coup, c'est un des éléments qui fait qu'il est un lien entre différentes générations. Tout le monde a vu du Drouilly sans le savoir. Tout le monde a vu Mad Max, tout le monde a vu Star Wars, et tout le monde a vu du Drouilly, du coup. La scène de la cantina du premier Star Wars, c'est prélevé directement du Mystère des Abîmes, le premier album de Philippe. George Lucas l'a avoué, George Lucas est très fan de Philippe. Mad Max, George Miller, avant de finir Mad Max, il est venu voir le rédac-chef de Metal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet, en lui demandant s'il pouvait appeler son film Metal Hurlant. Jean-Pierre Dionnet lui a dit bah, tiens, la porte c'est par ici, mon petit rigolo. Et puis il a dit bon, bah, c'est pas grave, j'appellerai Mad Max. Donc déjà, il y a ce côté-là. C'est un des aspects qu'on développe dans l'exposition. On a toute une section sur le cinéma, justement, qui explique à quel point non seulement Philippe a été influencé par le cinéma, mais il a influencé le cinéma. Denis Villeneuve, qui a réalisé le premier Dune, travaille sur le second et ils ont signé donc un accord officiel avec Philippe pour utiliser une grande partie de son travail comme inspiration dans le prochain Dune. J'avais accompagné Philippe à l'avant-première de Dune à Paris. Denis Villeneuve, à ce moment-là, a fendu la foule. Il s'est assis devant Philippe à genoux en lui disant « Maître, enfin, je vous rencontre ». Même pour quelqu'un qui n'est pas conscient de ce bagage, de cet historique, les planches de Philippe, elles parlent d'elles-mêmes. Son travail sur le format Grand Aigle fait que ces planches de BD ne ressemblent pas à des planches de BD, elles ressemblent à des œuvres en elles-mêmes qui sont capables d'exister par leur impact graphique très fort. On a justement fait en sorte dans l'exposition de mettre aussi ça en avant en faisant d'immenses reproductions. Et la taille de ces planches permet vraiment de découvrir la minutie graphique, le nombre de détails incroyables, toute la réflexion qu'il y a sur la composition. Donc même sans connaître Philippe, je pense que quand on se retrouve devant une planche, on est forcément happé par quelque chose, par un détail, soit par la puissance, soit justement par la minutie, soit par la portée parfois métaphysique qu'on peut retrouver, ou par le côté vraiment, vraiment rentre dedans. Il y a toujours un truc, je trouve, qui attire l'œil et qui capte l'imaginaire dans ces planches. Le fait d'avoir appelé cette exposition Les Six Voyages de Philippe Drouilly, donc c'est évidemment une référence aux Six Voyages de Lonsdale. D'ailleurs, quand on a mentionné le titre de l'exposition à Philippe, il a fait ah, ça va, facile. Au-delà de ça, nous, c'était une envie de montrer plein de facettes de Philippe, pas chronologique, mais plus en matière à la fois d'influence et à la fois de composantes essentielles de son œuvre. On avait aussi envie de faire une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire de commencer sur des choses très larges en termes d'influence, que ce soit en architecture, que ce soit la science-fiction, la littérature d'heroic fantasy, le fantastique, et puis de commencer à resserrer pour finir sur une dernière partie qui est vraiment centrée sur Philippe, sur ce qu'il y a d'intime dans ses BD, parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais quand vous lisez du Philippe Drouilly, en fait, vous voyez Philippe parler de lui-même, parler de ses racines familiales, parler de ses drames intimes, parler de ses angoisses, parler du monde. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément conscient. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire vraiment appeler cette exposition Les Voyages de Philippe Drouilly,
Et on termine sur une dernière partie qui est vraiment centrée voilà, sur tous les aspects les plus personnels de son œuvre. Si on avait, en fait, si on avait choisi de faire une exposition classique, on aurait fait ça par chronologie, comme vous évoquiez. Donc on aurait évoqué son amour pour la photographie, qui est son premier amour, le théâtre et ensuite la bande dessinée. Mais on a décidé d'évoquer les 6 thèmes pour justement mixer aussi les planches. Tout au long de sa carrière, on peut piocher dans ses différents albums les thèmes que nous avons mis en avant. Donc ça fait un parcours qui n'est pas du tout chronologique. Et on peut retrouver le thème des planches de Salambo ou de Diarius dans la partie science-fiction, alors qu'il y a un grand nombre d'années d'écart entre les deux albums. Voilà. Donc on a vraiment suivi les thématiques qui nous plaisaient et qu'on avait décelées et que Philippe a validé avec nous quand on lui a proposé. Vous avez 59 originaux dans l'exposition et vous en avez presque la moitié qui sont des œuvres qui n'ont jamais été montrées en exposition, qui étaient dans des collections privées, jalousement protégées et gardées. Donc je remercie, il n'y aurait pas cette exposition sans les collectionneurs, parce que Philippe a toujours été un grand collectionneur de son côté, donc il s'est toujours séparé de ses œuvres pour avoir d'autres œuvres. Voilà. Donc il a fallu aller chercher les œuvres dans plein de collections françaises et étrangères. C'est le festival qui a voulu rendre hommage à cette légende du 9e art qu'est Philippe Drouillet. Donc à la base, ça part de Clémentine Hustin qui est dans le festival, qui était extrêmement motivée pour faire l'exposition. Naturellement, elle s'est tournée vers nous, Laurent pour l'écriture des textes qui a sublimé tout ce travail sur les textes de l'expo. Moi par ma connaissance des collectionneurs et mon travail avec Philippe depuis longtemps, ce qui a fait qu'on a monté cette exposition parce que comme vous disiez, il y a un anniversaire par rapport au sacre de Philippe, que Philippe en fait est aussi donc un fondateur d'une des plus grosses revues de notre époque avec Métal Hurlant qui a quand même fondé une génération de réalisateurs, d'artistes, de dessinateurs. Le donc, nombre de mangaka qui ont été traumatisés par Métal Hurlant et qui en parlent comme une influence fondamentale est vraiment impressionnant. Donc pour nous c'était une évidence en fait de rendre hommage à Philippe à travers ses 50 ans. On voulait un monument de la bande dessinée et Philippe réunit tellement tous les critères. Et en plus on a cette affection particulière pour lui. Humainement il est tellement génial comme personne que c'était évident, tout était aligné. Quoi. L'artiste et l'homme, ce qui n'est pas toujours le cas, on le sait, étaient géniaux. Donc on ne pouvait pas ne pas le faire.